Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAN, nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au Point. Maintenant, après avoir refermé ce maintenant avec Dimitri Sergio Charles, c'est coordonnateur en compte citoyen. Nous allons regarder qui ça en compte citoyen. Et prétexte là, c'est une série de formations qui termine semaine prochaine sous plusieurs domaines. Et là, il après avoir objectif, c'est un SAIO et qui intérêt un jeune particulièrement à le gagner dans formation qui va être faite sous l'initiative Rencontre Citoyenne. Dimitri, Sergio Charles, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serginho, c'est un plaisir pour nous sous panel là avec vous matin, pour nous capables de parler et puis ouais ensemble, qui ça nous capables de faire dans le pays en tant que citoyen, qui est responsable. Et c'est un devoir aujourd'hui hein, pour nous capables là, parler avec le public là et montrer aujourd'hui hein, qui ça qui est disponible pour vous, toutes jeunes qui sont depuis la classe 3e et puis monter pour un X. L'âge, je dis, hein, nous avons travaillé pour y réfléchir. On a présenté pour le public là, qui a suivi nous là, Rencontre Citoyenne, qui ça y est exactement? Normalement, Serginho, Rencontre Citoyenne, c'est un espace de rencontre pour jeunes capables de former, éduquer et prendre connaissance de ça comme droit, devoir et connaître tout, je dis, hein, qui ça y a gagné comme possibilité pour yo capable influencer société, influencer environnement yo, en termes de capacité, en termes de pouvoir que jodi un jeune li gagne. Donc, non société, nous gagnons des droits, nous gagnons des devoirs. Donc, et droits yo, on a regardé, l'été résumé à un certain temps, c'était des droits civils et politiques. Jodi un nous dit, il y a encore plus, depuis, ça fait plusieurs années, que nous connaissons, ils ont commencé à parler de droits sociaux, économiques et culturels. Donc, Rencontre Citoyenne, c'est une institution, je dis, hein, qui a fait passer le message ça, ben, jeunes, yo, pour qu'on connaît, je dis, hein, en tant que jeune, en tant que citoyen qui a grandi dans la société, ils ont des responsabilités et ils ont des droits tout, dans le pays d'Haïti. Mais depuis qu'il est, nous prenons l'initiative ça. Initiative Rencontre Citoyenne, nous sommes capables de dire l'idée a commencé à émerger depuis en 2014, mais nous sommes capables de dire que c'est en 2017 que nous toffons sous Rencontre Citoyenne. 2017, nous disons que c'est le moment pour nous agir, agir et clairement pour aujourd'hui, nous sommes capables de porter apport par nous et non façon qui est beaucoup plus générale à payer. Donc, nous avons plus que. Nous sommes capables de dire 17 ans, nous travaillons avec jeunes, nous travaillons avec des institutions qui ont poussé les jeunes à prendre des initiatives. Mais là, nous pensons que, à part par nous, en tant que monde est beaucoup plus proche, c'est arrivé qu'on a joué les jeunes directement avec un rapport qui m'a connu, avec une méthode qui allait de l'estime de soi, qui passait vers la citoyenneté et qui touchait le leadership. Et l'entreprise, donc dire que entreprendre sa vie et entreprendre des activités qui peut être lucratives ou non. Parfait. Là maintenant, qui s'est constaté qui fait que nous croyons nécessaire pour une bonne structure, je dis, hein, qui est les rencontres citoyennes? Normalement, constat, je pense que nous pas premier monde, je dis, hein, qui rend nous compte que nous vivons dans un pays qui tout simplement après aller à pas vers l'arrière. Donc, nous pouvons aller à reculons. Donc, après constat ça, nous avons regardé un système éducatif qui fait nous lire, mais nous ne comprenons pas. Nous avons récité sans que nous ne puissions analyser. Et depuis quand, il était dit, moi, je lis, et puis pour me lire, je ne comprends pas. D'abord, lire, c'est comprendre. Donc, je dis nous-mêmes, le nous rendons compte, constat, il est déjà sorti dans un système éducatif qui n'a pas de plan, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de vision. Je dis, j'ai 40 ans depuis que je suis rentré à l'école. Mais si j'ai 40 ans depuis que je suis rentré à l'école, je suis rentré à l'école, qui projet système éducatif pour citoyens que je suis allié, je dis.
qui citoyen, je dis, nous décider préparer. Et autant de fois que nous pas penser qui citoyen a préparé pour demain, c'est autant de fois n'a gagné, ça n'a vivre, je dis. Constat, c'est que nous avons un pays qui pas marché. Nous avons un pays qui a vivoté, nous avons un pays côté tout le monde sous coude, nous avons un pays tout le monde doit chercher intelligent pour y sortir. Mais non, est-ce que j'ai besoin intelligent pour me sortir ou moi j'ai une capacité et vendre ça me gagne comme force pour me capable de sortir et aider l'autre monde sortir. Donc je pense que aujourd'hui nous devons rentrer dans une dynamique côté pour nous utiliser ça nous gagne comme force pour nous capable nous-mêmes d'abord vivre et connir pour ces communautés hein, pour les sortir dans ça nous est dans marasme que nous trouvons aujourd'hui hein, mm-hmm. Et Serginho. Donc on constate de vie nous-mêmes personnellement qui fait en Haïti qui pas décidé quitter pays hein, nous fait là nous grandit là nous étudier là mais aujourd'hui hein, nous prenons nous compte que si c'est pas une motivation et des fois nous poser peut-être nos questions est-ce que c'est un cas particulier nous est pour nous décider vivre j'ai un système ça y est hein, nous bouquer. Donc nous décider dire non et je dis un jeune doit apprendre connait qui assurer pour nous capable travailler sur le lendemain nous pas faire un bagage par hasard je dis nous planifier parfait maintenant qui est-ce qui est dans structure ça qui est-ce qui est dans rencontre citoyen normalement rencontre citoyen c'est un groupe jeune qui depuis toujours cap travaille autour de développement paysan cap travaille autour de développement jeune dans paysan et ou capable prendre moi comme coordonnateur général et de rencontre citoyen. Nous avons avec nous Lou Jador Villiers qui est un membre infatigable qui depuis plus de 17 ans cap supporter une telle activité, cap supporter travail avec jeunes. Nous avons avec nous Duquesne Saint-Jean, nous avons avec nous Valérie Fizemé, c'est des jeunes depuis toujours cap travaille dans le développement paysan. Donc c'est un groupe jeune qui croit que pays d'Haïti a besoin yon l'autre orientation ou du moins yon amélioration en termes d'orientation et dit kounyan mais qui côté nous yé nous rendre nous compte que côté nous yé je dis hein, c'est pas meilleure position que nous ta doyé mais comment nous capable profiter de situation nous yé je dis hein, pour nous capable sortir et c'est ça je dis en rencontre citoyen voulait offrir à jeune pays d'Haïti. C'est ça. Là maintenant, c'est pas la première organisation qui fait constat sur dit là et décide de mettre ensemble pour voir comment capable agir sur réalité là, mais au fait chemin faisant, yo qu'on craser, chemin faisant, yo chaque qu'on fait route pa yo. Qui ça nous gagne dans nous comme zam, dans niveau en citoyen pour que nous pas échouer côté l'autre organisation tant que nous yo, t'es obligé bay vague. Et permettez-moi d'abord Serginho, peut-être c'est pas une philosophie. Moi pas quoi dans échec. C'est-à-dire que peut-être un pile institution qui a engagé au sous-voix, pour une raison ou l'autre, il n'a pas continué. Mais je suis sûr que dans différentes institutions qui prennent naissance, il y a des jeunes qui peut-être qui pas visibles, même Jean-Jodien ou rencontré, mais le pas évident hier ou t'es contre qui est Dimitrié. Donc, je pense que il y a des graines, Jodien qui t'a doué grandir. Mais peut-être avec difficulté qu'on y a qui gagne pour graines, ça a germé et grandi. Nous pas arrivé ouais yo et n'a regardé je dis un média qu'on travaille à faire qui nous capable dire qui spécial parce que ouverture ça je dis si nous voulons demain mieux c'est média qui gagne travail ça non même pas gagne l'autre donc rencontre citoyen il pas espérer entrer dans dynamique côté nous pour briser tout le monde faire route par eux et c'est ça fois pour travail nous on li basé sur d'abord estime donc une fois que je connais qui est ce qui connais qui ça me vaut, je vais commencer prêt pour exploiter ça et qu'on connaît qui ça moi j'ai besoin pour me grandir. Nous parler de citoyenneté. Quand on parle de citoyenneté, on veut parler particulièrement des valeurs parce que quand on parle de citoyenneté, on sait que c'est la qualité du citoyen. Donc c'est la solidarité. On veut parler du civisme, on veut parler du patriotisme. Donc, c'est les valeurs qui vont déterminer quel genre de citoyen que nous avons. Et à ce moment-là, quand vous avez un peuple qui a des gens qui connaissent ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils peuvent faire, et ils sont des citoyens responsables, vous mettez assuré que vous pouvez gagner des leaders tout, qui sont capables de faire des projets. Je dis, le problème qui se pose en Haïti, c'est ça, c'est un problème de projet.
Donc, je dis un peu importe institution qui est engagée ou dans quoi que ce soit, faut que ka vini avec un projet. Et moi-même, je dis, si je viens de chita, je n'ai pas gagné un projet, il n'est pas évident pour moi de parler. Donc, le projet, c'est maintenant de faire sortir de ce pays les leaders, les potentiels leaders qui sont capables d'apporter un changement. Mm-hmm. À ce moment-là, il faut que je ne connaisse pas différents styles de leadership. Donc, quelle méthode qu'il faut vraiment utiliser pour atteindre l'objectif? Et là, une fois où vous avez trois conditions réunies, qui sont estime de soi, citoyenneté et leadership, vous voulez ou pas voulez, vous pouvez commencer à voir un pays qui est dynamique ou un groupe de jeunes qui n'a pas besoin de job, mais qui, oui, qui a besoin de job, mais une fois le job n'est pas présent, il peut utiliser ça comme ressource pour le créer. Et ce n'est pas une parole, moi-même, parce que je m'ai inventé, graisse cochon, cuit cochon. Hein. C'est une logique pour montrer que je dis, hein, moi-même, ça m'a comme potentiel, je peux utiliser pour me grandir jusqu'à ce que je veux un job. Pourquoi ça, c'est un compte citoyen, pas un autre nom? Rencontre citoyen, parce que c'est le problème ça qui pose dans la société. Non. Je dis, nous refusons de faire rencontre. Nous refusons de chita parler. Donc, je dis, il faut que nous rentrions dans la dynamique ça. Chita parler. Hein. Chita parler, peu importe. Chita parler, vous dites qui ça? Parce que quand on dialogue dessous, tout. Bon, nous-mêmes, nous rentrons dans la dynamique côté nous disons, sous prendre en compte différentes thématiques que nous sommes présentées. On parle où est-ce qu'on y a, impossible pour nous rentrer dans un dialogue de sourds parce que Dimitri Chita l'a pas la voix, lui connaît qui ça le capable de faire et Serginho connaît tout, lui-même qui ça le capable de faire. Et une fois Serginho connaît ça le capable de faire, Dimitri connaît ça le capable de faire et puis nous dit mais qui ça nous voulait faire, nous dit bien par rapport avec mes capacités, par rapport avec ce que j'ai comme capacité, voilà mon apport et Serginho va venir faire ce qu'il peut faire et c'est comme ça qu'on monte un projet. Un projet c'est toute une équipe. Un projet, c'est une rencontre. Mais nous n'avons pas de réflexe en pile fois. Nous avons un réflexe de grain 5, un réflexe de sortie tête moins, un réflexe de sauve qui peut. Je veux dire, à une société qui chita sur le sauvetage individuel. Et pour parler de mettre ensemble. Mais Serginho, je vous dis désolé, ou pas qu'à demander un pied pomme pour le bord orange. Nous on a reçu cette éducation. Nous t'es éduqué comme ça, grain 5 ans depuis l'école, grain 5 ans, je dis, on prend dans la banque. Il faut qu'on cherche fonds gens pour se passer avant. Green 5 ans, il sorti depuis un petit malice. Avec Bouki, je dis qui veut être Bouki? Personne ne veut être Bouki. Et pendant ce temps, malice qui est malicieux, malice qui était toujours à faire coup intelligent, c'est lié au éduqué. Je dis c'est le résultat de ça. Donc, pas rien qui est capable de dire qui est étonnant. C'était une planification. Est-ce que les autorités, à cette époque, il était ouais que projet ça c'est pas projet ça au terrain. Je dis on monte aux machines, même les game place, tout le monde a couru. Oui. Le comportement de malice, tout le monde veut être malice. On a c'est comment reformater ça, comment redesigner. Et... Bon, disons que et dans mon cas particulièrement, est-ce que je suis capable de dire comment moi-même me fais pas de victime? On dit que dans le système là, même genre tout le monde était là-dedans. À une seule différence, on dit qu'il y a des monde qui fait pendant les fêtes, dans n'importe système que l'on dit toujours à poser question. Et c'est là que je comprends maintenant, l'heure de poser des questions, l'heure de savoir. Quand on dit que je sais, c'est autant de fois qu'on a l'impression qu'on connaît ou pas qu'on n'a rien. Parce que, à force que je suis toujours à poser question, pour qui raison telle ou telle chose, pour qui raison je dois étudier. Par exemple, je suis un élève qui était calé, si je bat bête moi par cœur, je suis tué. Mais pendant ce temps, sous tes bonnes grammaires, je suis maltraité. Parce que l'homme ou dit épithète, je ne sais pas si épithète te dit. C'est tout simplement un mot, et puis on fait me comprendre, mais qui est bon pour m'attribuer, mais qui le. Mais je ne peux pas adapter, mais rien que je ne peux comprendre. Et à force que je me pose des questions, j'ai compris maintenant que je dis, hein, système ça n'est pas vraiment véritable, un système qui est capable d'un résultat autre que ça n'a vu aujourd'hui. Hein. Mais maintenant, c'est être conscient de cette réalité. Ok, moi-même avant, nous t'ai éduqué dans le système. Là. Est-ce que nous sommes fiers de ces résultats-là? Maintenant, quel moyen politique, nous, au niveau de nos citoyens, pour que nous agissions sur la réalité, ça, je le dis. Pour que nous ne pas chiter à rencontrer, pour rencontrer, mais pour rencontrer, pour nous aider la société, pour nous servir, pour nous utiliser à quelque chose. Quoi. Bon, dis simple, Serginho. Moi, dis simple. Je dis, nous avons besoin d'aider des milliards de dollars pour nous faire des activités.
aussi bien que nous utilisons les ongles, même les ongles ne nous pas gagner, mais nous toujours gagner des formations. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait, si on veut vraiment influencer la société, apporter un changement positif dans la société, c'est par l'éducation. Donc, politique, nous passons d'abord par l'éducation. L'éducation, à ce moment-là, on ne va pas vous dire quelque chose, mais on vous met face à la réalité. Par exemple, lorsqu'on parle de l'estime de soi, nous ne pouvons pas faire un discours magistral pour nous dire l'estime de soi, c'est. Non, on vous donne une feuille qui a près de 12 questions. Vous allez répondre des questions à propos de vous-même. Donc, ce n'est pas moi-même pour me faire compte qui est sous. Bon, 10 questions, c'est des questions que par rapport avec l'accompagnement de jeunes que nous faisons. Plus que 7 ans de travail, nous avons fait accompagnement. Le jeune n'est venu, dans l'esprit, il n'y a pas de si pour le monter, si pour le descendre. Nous rendons compte, nous avons une liste de questions que nous avons posées. Et questions, ça, nous rendons compte, autant de fois que nous avons posé, il y a des jeunes à évoluer et comprendre. Nous arrivons qu'on y informe un document avec elle. Donc, c'est à travers le document, ça, les jeunes dans lui-même, il commence à répondre à une question, il prend connaissance de lui-même. Et une fois qu'on y a répondu à une question, ça, nous avons des départements qui sont prêts pour recevoir. Qu'on y a aidé à approfondir connaissance, ça, il finit répondre à une question, mais le comprendre, il pas forcément. Maintenant, il y a un accompagnement qui a fait. Développement, ce n'est pas par miracle. C'est tout un travail, c'est tout un système. Je dis, on a fonctionné sans comme. Je dis, on a fonctionné sans rien. Mais le plus beau dans tout ça, n'a pas de résultat. Donc, nous sommes capables de dire, nous fiers que nous prenons un jeune qui est en classe 3e, nous rentrons dans l'institution, nous faisons formation en entrepreneuriat. Parmi tous les élèves qui étaient en dedans, qui estimaient qu'ils ont un potentiel, ils n'ont pas décidé de suivre nous, mais il y a une qui levait le dit, il voulait entreprendre quelque chose. Nous quittons le choix. Il vient avec son idée. Nous quittons le commencer. Nous analysons ça le fait. Nous portons correction. Jeune ça, il était dans le troisième, là, nous rencontrons. Je dis, il est obligé de quitter le pays parce qu'il n'est pas fier de système ça, dans l'université. Il a décidé à l'étudier à l'étranger. Mais pendant ce temps, il est allé dans différents markets, je dis, produit ça, il est devise dans différents markets dans le pays, dans Pétionville, il y a des produits qui vendent. Comprenez bien, on est jeune. Qui était dans le troisième, qui commence le business. Nous accompagnons. Je dis, là, l'étudier à l'étranger, maman le responsable business. Mais ça, nous-mêmes, nous commençons. Ouais. Nous sommes que pays en plein potentiel. Et nous voulons continuer à garder tout le potentiel. Ça. Pour le jour où on est des citadins, on a mis à l'idée du pays, ça n'a pas de ressources pour nous dire que c'est faux. Et là, nous dit que c'est faux, ce n'est pas parce que nous décidons de parler pour parler, mais c'est un constat que nous faisons. Je dis à tout le monde qui est entouré, Serginho, et je suis désolé, même avec ça qui est derrière la caméra, je suis sûr que dans l'autre pays, dans l'autre environnement, il était beaucoup plus que ça. Mais il arrivait dans un moment, il zombifiait nous, et puis nous dit, je dois faire quelque chose, minime que soit-il. Il ne pas apprendre à nous souffrir pour nous grandir. Et je dis, c'est ça nous dit. Tout sauf les réaliser qui grand, la passer par la souffrance. Voilà, bon, souffrir, mais pour moi, effectivement, on réalise un bagage parce que en plus, il faut souffrir et au final, après toute souffrance, on n'a jamais marché. Et qui fait, on vient tout frustré ça dans le pays, on vient tout jeune ça tout qui décide au bon matin, prend ou Chili ou bien prend ou Brésil, ou bien tout le monde qui décide, n'est-ce pas vrai, et vient tourner carrément des déviants et qui vient des microbes sociaux, quoi. Question de perception. Parce que pas rien on fait qui pas bas un résultat, certainement. À force de vouloir s'en sortir plus vite et plus rapidement, nous ne prenons pas le temps pour nous analyser le travail que nous faisons qui s'alibaille comme résultat. À force de vouloir s'en sortir. Mais c'est que la société a tout créé assez d'opportunités pour sortir tête ou vrai. Parce que c'est ça tout. Il y a un peu de jeunes qui sont capables, qui ont le talent, qui ont les ressources, effectivement. Mais est-ce qu'il y a un espace assez ouvert qui facilite la chance pour tout le monde ou que quel que soit son cas faire, jouer qui choix pour passer. Et encore là, c'est on essaie de comparaison parce que nous pas même doit rentrer dans la dynamique là. Il y a un côté qui déjà planifié, qui structuré, c'est évident, il est prêt pour le recevoir. Mais on demande pour m'a demander une société qui pas planifié, qui pas structuré, qui pas gain projet. En quoi qu'on y a le bras prendre pour l'accompagner. C'est là, je dis nous-mêmes en tant que citoyens pour nous comprendre que non. Il n'y a pas qu'à faire ouverture pour vous,
pas de plan, pas de projet. Donc, on est qui dit que l'on prend l'an pour l'inamanti, si pas un projet global. Donc, je dis, moi et ma voix, Serginho, travaillant, c'est commencer à faire projet ça, pour nous recevoir ça qui vient. Je ne peux pas demander un pied orange, bon pomme, aussi bien que je ne peux pas demander pomme, bon orange. Donc, je dis, oui, je dois chita, demander qui ça doit faire pour moi. Mais non, et depuis un petit monde, Serginho, je ne peux pas demander personne qui soit fait pour moi. Je m'ai grandi, constamment à faire pour me sortir et pour la société. Certainement, quand c'était d'énergie que je dépensais, je dois plus loin. Mais non, je me rends compte que je suis un combattant. Donc, résultat, en pile, mon papa directement dit, oh, Dimitri, je dis, pour une belle machine, est-ce que c'est ça le succès? Par exemple, je dis, moi-même, ma fière, c'est le, je me rends compte vraiment, nous commençons conscients, nous rendons compte de côté nous y est, et nous dit, nous prenons le travail pour nous sortir, puis pour moi, mes succès. Après ça, un bel caille, pas fatigué. Une belle machine, pas fatigué. Mais on est pour moi, si ça, c'est succès pour lui. Oui, je voulais tout ça, je voulais posséder tout ça. Mais quand je ne suis pas déçu de tout ça, je me suis dit là, c'est voir que chaque citoyen haïtien, il est clair, il est capable de pousser le pays. On connaît, on connaît des discours en pile, et certaines fois, même associé ces discours ça, en discours démagogique, dans le sens que bon, chaque fois qu'il y a élection, il y a autant de paroles ça. Ouais, c'est sorti de tête, ouais, c'est côté pays, tout le monde a vu bien. Mais finalement, année passée, jour passé, bah, il y a une vie difficile. Non, mais Serginho, encore une fois, je dis, premièrement, je ne suis pas présent en tant que candidat. Ouais, c'est un jeune qui subit le système. Là. Ou quand il y a une velléité, ce n'est pas mauvais. Non, mais pour qui ça le mauvais? Voilà. Longtemps, je t'ai dit catégoriquement, ce n'est pas un système ou un secteur qui intéresse du tout. Mais je veux dire, nous avons une responsabilité, Serginho. Et cette responsabilité, je ne vais pas dire personne qui m'a fait quoi que ce soit pour eux. Je dis tout le monde, aussi bien que moi-même, je compte tête, je dis, et je suis là avec fierté. C'est ça qu'on aime faire aux alentours de moi. Et les gens qui ont regardé, qui connaissent qui ça m'a goûté jusqu'à présent, m'a fait, qui fait, je dis, je suis là. Ce n'est pas cadeau personne. Donc, je demande tout le monde de faire de même. Et une fois que nous faisons, c'est pour une question de Dimitri. Mais c'est pour la question de nous, tout peuple haïtien, nous passer à l'action. Parfait. On regarde les activités que nous avons bien semaine là, et au niveau citoyen, qui s'allie exactement. Tant que nous te disons, Serginho, nous-mêmes, nous passons par l'éducation. Donc, nous lançons un programme de formation pendant 4 semaines qui sont venues là. Mais, mon monde qui a participé, c'est 1 semaine ou après. C'est-à-dire que, ou prend 1 semaine, ou après une semaine prochaine, ou une semaine qui est venue. Donc, mes formations, ça, en 5 jours, nous décider. Faisons une introduction dans chaque point, ça, que je vais citer là, dans chaque thématique, ça, on m'a parlé là. Un, non, premier jour, on prend une formation dans l'estime de soi. Et nous dit que, on ne peut pas avoir une formation magistrale. Mais on peut faire une rétrospection. On peut analyser, ou même, je dis, qui est souillé, qui sort à faire. Deux, on peut recevoir une formation dans le domaine citoyenneté. Je dis, nous ne pouvons pas dire être citoyen, c'est courir à voter, être citoyen. Non, mais d'abord, quelles sont les qualités du citoyen? Quelles sont les valeurs de vrais citoyens? Et c'est là que nous allons avoir. Et après ça, nous avons une formation en leadership. Donc, nous dit tout, c'est une introduction dans chaque thématique. Ça. Après ça, nous allons recevoir une formation dans le domaine entrepreneuriat et marketing. Donc, c'est tant que BIC dit, tout le monde c'est machin. Je dis, son éducation t'al prend pour te kavin machin sur y la, je dis. Donc, nous tous gagnons une capacité, nous tous gagnons bagay pour nous vendre. Je dis, l'île pour nous réveiller, nous pour nous connaître. Donc, formation ça, et Serginho, il pral déroulé dans l'université CFDE, qui trouvait l'île dans Delma 75. Et je dis, nous félicite l'institution ça qui décide d'ouvrir porte libre nous. Côté nous capables de faire formation ça pendant tout le mois sans nous pas bailler 5 comme Serginho. Alors formation a commencé qui l'a l'a commencé lundi 7 là, l'a fini le 1er septembre, c'est-à-dire que 4 semaines d'activité. Mais pour nous participer, c'est 1 semaine que vous allez prendre. Qui est-ce qui est autorisé, qui est-ce qui est qualifié pour participer à la formation? Et un monde qui veut participer à la formation ça nous prend pour pipiti, nous dans la classe 3e. C'est-à-dire que l'IPRE pour lui recevoir genre de formation ça et
aller jusqu'à plus grand l'âge qui est capable d'exister. Mais particulièrement, les gens qui ont une cible vraiment de formation, ça, c'est quand tu es jeune qui prend pour un gros coup, qui ne peut pas passer dans le philo. C'est quand tu es jeune qui prend une difficulté pour rentrer dans l'université. Mais c'est une formation pour tout jeune qui est dans l'âge, qui est dans la classe 3e, aller à X, tout adulte qui veut venir chita. Parler avec nous, discuter et venir pousser le mouvement ça, lui avancer. Moi, c'est dans une semaine suffisant par rapport à la thématique sérieuse pour que nous emmagasinions ou joindre le maximum de bagages possible. Et nous, bien dit, et nous dit clairement, rencontre citoyen a grandi. Donc, nous pas décidé de faire d'un seul coup tout ça qui est à être fait. Nous pas décidé de bâillement de tout, prétendre que nous, journée, nous prenons pile bagage et puis plein tête à la fin. À quoi ça va résumer? On décide d'aller lentement, mais sûrement. Donc, cette formation, nous allons toucher les points spécifiques pour faire l'introduction à ces différentes thématiques pour préparer les jeunes à pouvoir maintenant continuer. Et donc, les citoyens disponibles pour continuer avec eux. Et travailler ça, ils ne pas camper là. Mais son travail, au contraire, qui démarre. Et tout le monde qui est responsable d'un pays, tout le monde qui est conséquent, c'est dans le moment aujourd'hui pour nous dire. Oui, nous voulons faire succès, je nous voulons faire là. Mais ce n'est pas au détriment des autres, mais c'est préparer les jeunes de demain pour une Haïti. Après séance ça, un certificat junior vous souvent? Après séance ça, nous décidons par junior un certificat qui dit clairement le nombre d'heures que tu prends dans tel domaine, et bien ça représente. Nous comptons réaliser ça d'une façon qui est grandiose avec tout jeune ça pour recevoir un certificat ça. Et nous voulons assurer, voilà, nous voulons faire jeunes nous connaître. Pour participer à notre formation, il y a besoin seulement 500 gourdes. 500 gourdes pour ce maintenant, pour différents thèmes. Et en plus de cela, pour le numéro de contact que nous avons quitté, c'est le 48 18 66 26. Donc, de par émission, ça, nous avons dit tout jeune qui a regardé, il est capable, 20 jeunes qui ont envoyé un message sous numéro ça pour dire que vous voulez participer. 20 jeunes ça va bénéficier de 2000 bourses. C'est-à-dire que y a voyé un message pour dire que vous t'a suivre mise au point et vous voulez participer, vous voulez bénéficier de 2000 bourses dans 48 18 66 26 37 54 40 27. Y a écrit nous dit que vous voulez bénéficier de 2000 bourses. N'a dit que c'est sur numéro ça 48 18 66 26, voyez-le sur WhatsApp ou bien par message, dit que vous voulez participer, et 37 54 40 27. Ou bien passez dans l'université CFDE, qui trouve le Delma 75 et dans l'angle et angle impasse erreur. Donc, une fois rentré dans 75 ans, c'est juste à gauche, ou pas même besoin pour une station camionnette qui est dans 75 ans, donc c'est tout près la rue. N'attend tout le monde. Passez visiter nous dans l'université, nous avons pile bagaille. Ou même jeunes qui sont dans l'examen ou déjà ont des difficultés pour entrer dans l'université, nous prêts pour nous accompagner. Nous prêts pour nous faire des démarches pour ça, nous capables et nous prêts pour nous recevoir tout le monde qui voulait décider et des jeunes avancer. De qui a acquis la formation? Et nous gagnons, l'horaire est assez flexible, Serginho, de 9h. À midi, c'est dans la matinée. Mm-hmm. Et nous gagnons l'autre groupe de 1h à 5h dans l'après-midi. C'est-à-dire que nous ouvrons pour nous clôturer été en beauté avec jeunes citoyens haïtiens. Et des professeurs, des professionnels qui vont accompagner nous, des moniteurs, qui est-ce? Et on nous dit que chaque monde qui a participé dans le programme, ça, c'est monde qui gagne plus que 5 ans dans le domaine. Formation ça y est. Et nous prenons des formations avec des Canadiens étrangers, nous prenons des formations. Moi-même personnellement, et je dis, c'est un consultant dans le domaine montage d'entreprise, montage de projet, et je dis, nous gagnons des accompagnateurs dans le domaine estime de soi, citoyenneté. C'est toute une équipe TOF qui gagne plus que 5 ans de travail dans sous territoire là. Nous faisons dans tout le pays, dans l'université, dans l'école classique, nous avons des formations déjà. Et nous sommes sûrs que pile de monde qui a regardé, qui connaît, qui a confirmé, ça n'a pas dit là. Voilà, alors vous voyez mes messages pour les gens qui sont intéressés, participer dans cette série avec Rencontre citoyen, numéro de téléphone, c'est 48 18 66 26 37 54
40-27. Ça a un plaisir pour nous recevoir la caille nous et pour nous capables de former. Voilà, notre invité ce matin, Dimitri Sergio Charles, qui a pu diriger un concitoyen. Ça va être une des points ça. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Soutenez en direct, on souhaite vous passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.